Remontons maintenant un peu dans le temps pour présenter l'histoire de notre équipe. C'est en 2005-2006 qu'une équipe Midget 3 arrive à l'aréna Rock La Salle de Crabtree avec la création des Draveurs. En 2007, il y a une première association entre le Collège Esther Blondin et cette équipe, mais c'est en 2008 que l'équipe est rebaptisée les Phoenix du Collège Esther Blondin, tout comme les autres équipes de la grande famille de l'institution. C'est donc la 10e saison cette année du nom Phoenix. Oiseau fabuleux, le Phoenix est une sorte d'aigle au plumage rouge, bleu et or. Son aspect est splendide, il a la propriété de renaître de ses cendres, ce qu'il a fait à quelques reprises en Syrie au cours des 10 années. Suite au franc succès qu'a connu ce partenariat au cours des premières années de son existence, il allait de soi que la direction du Collège Esther Blondin allait prolonger cette association. Au fil des années, le Collège Esther Blondin a bonifié à chaque saison sa structure d'encadrement afin de permettre aux élèves athlètes de devenir à la fois les meilleurs joueurs possibles et les meilleurs élèves possibles. Nous sommes maintenant excessivement fiers de voir que le logo des Phoenix est porté par de plus en plus de jeunes joueurs de la région et que de faire partie de cette équipe devient peu à peu le rêve de plusieurs de ceux-ci. Au Collège, cette année, près de 240 élèves athlètes pratiquent une quinzaine de disciplines sportives à un très haut niveau, dont 20 joueurs de calibre midget. Mesdames, Messieurs, cette année, ce sont 12 recrues qui viendront rejoindre 8 vétérans pour former l'édition 2017-2018 des Phoenix, donnant encore cette année une toute nouvelle image au club. C'est sans surprise que Samuel Poulain, Sherbrooke, deuxième choix, et Xavier Parent, Halifax, quatrième choix, sont demeurés dans les équipes qui ont fait leur acquisition lors du repêchage et la JMQ. En plus de ces deux vétérans, Brooklyn Karmikov, Cap-Breton, 15e choix, et Alexandre Jonca, Sherbrooke, 57e choix, se sont taillés une place dans la LHJMQ pour débuter cette saison. Avec ces départs, certains joueurs devront jouer un rôle encore plus important au sein de l'organisation. Il s'agit d'une belle opportunité à saisir à l'attaque. Thomas Bordelot, Christophe Farmer et Zachary Beauregard devront se démarquer et montrer l'exemple aux plus jeunes. Le même mandat attend Jérémy Duguay, Félix Gascon et Alexis Poulain pour leur deuxième année à la ligne bleue. Du côté des gardiens, pour une rare fois, les deux gardiens seront de retour pour une deuxième saison, soit Marc-Anthony Lambert et Philippe Bond. Premièrement, il est reconnu comme un bon patineur et un excellent joueur à caractère offensif, le numéro 4, Félix Gascon. Un joueur recru avec un bon physique et possédant un bon lancer et une belle vision de jeu, le numéro 7, Vincent Bujold. Un autre défenseur recru qui a travaillé très fort au camp d'entraînement et qui mérite amplement sa place avec les Phoenix Midget 3, le numéro 8, Massimo Siciliano. Mesurant 5 pieds 9 et pesant 178 livres, le numéro 10, Julien Blouin. Un attaquant gaucher excellent dans les deux sens de la patinoire, le numéro 11, Stéphane Huard. À sa deuxième année avec les Phoenix, il est reconnu comme un joueur très robuste donnant de bonnes mises en échec. Le numéro 12, Jérémy Duguay. Connu pour son excellente première passe, le numéro 13, William Lavigne. Mesurant 6 pieds et pesant 155 livres, cet attaquant gaucher est un excellent joueur recru avec un bon coup de patin et il est responsable défensivement. Le numéro 16, Justin Charrette. Possédant lui aussi un bon gabarit et pouvant jouer dans les deux sens de la patinoire de belle façon, le numéro 18, Liam Bergeron. Joueur recru, lui aussi possédant un bon gabarit, mais aussi reconnu comme un excellent attaquant de puissance, le numéro 20, Maximilien Ledoux. Mesurant 5 pieds 11 et pesant 150 livres, il est un très bon patineur et possédant une bonne accélération, le numéro 21, Loïc Bégin. Possédant d'excellentes habiletés offensives, le numéro 22, Tristan Gourdeau. Reconnu comme un joueur très combatif dans les moments clés, le numéro 24, Tristan Fortin. Connu comme un patineur intense avec un excellent lancer, le numéro 27, Nicolas Kingsbury-Fournier. Devant le filet maintenant, sa seconde saison Midget 3, il devrait connaître une excellente année et il est bien préparé. Le numéro 30, Marc-Anthony Lambert. Lui aussi, à sa deuxième saison Midget 3, il travaille fort tous les jours et possède une bonne technique. Le numéro 35, Philippe Bond. Joueur affilié ayant pris part au match d'aujourd'hui, le numéro 33, Hugo Bergeron.
finalement le capitana des Phoenix. Il c'est un défenseur très physique avec une bonne accélération et un bon lancer. C'est l'un des leaders de l'organisation, le numéro 14, Alexis Poulin. À sa deuxième année dans le Midget 3, c'est un bon patineur très intelligent et il possède un sens du jeu inné. Le numéro 17, Thomas Bordelot. Connu comme étant un bon marqueur et possédant un bon sens du jeu ainsi qu'étant un joueur d'équipe, le numéro 19, Christophe Farmer. Et finalement, votre capitaine, cette saison, il est très intense, leader reconnu de tous sur la patinoire et à l'extérieur, le numéro 23, Zachary Beauregard. J'invite maintenant le personnel entraîneur, Monsieur François Robitaille, préposé à l'équipement. Monsieur Roberto Michalef, entraîneur des gardiens de but. Monsieur Guillaume Allard, assistant entraîneur des gardiens. Et Monsieur Philippe Paquette, nouvel entraîneur adjoint des Phoenix Midget 3. Finalement, l'entraîneur-chef des Phoenix, un homme qui a été entre autres joueur dans la LNH et assistant entraîneur aux côtés de Jacques Demers, aussi dans la LNH, en plus de coacher en Europe pendant plusieurs années, M. Paulin Bordelot. Chers joueurs, vous êtes les 20 joueurs Midget 3 de cette grande région pour la saison 2017-2018. Profitez-en, soyez à la fois fiers et reconnaissants envers vos parents qui font des sacrifices pour vous et envers tous les gens qui gravitent autour de l'organisation, employés et bénévoles. Nous souhaitons donc une excellente saison au Phoenix 2017-2018 du Collège Esther Blondin. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous et bonne saison 2017-2018.